Bonjour, alors bienvenue dans ma cuisine. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans ma cuisine. Alors, avant de commencer la vidéo, je veux toujours rappeler de ne pas oublier de vous abonner, de cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas la cloche, de partager mes vidéos et de liker mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit dessert, un dessert très simple. Hein. Vous savez, quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas envie de faire des gros gâteaux. C'est très simple de faire des petits desserts qui ne vous coûtent rien. Ça prend moins d'une minute. Donc pour le faire, on a besoin de... Ça, c'est un yogourt sans sucre, le yogourt nature. Voilà. Un mélange de fruits, des champs. Hein. Donc, vous voyez. Vous prenez le mélange, vous prenez les fruits de votre choix. L'essentiel, c'est de prendre des fruits. Là, je n'avais pas de fruits frais, ce sont des fruits congelés. Si vous avez des fruits frais, c'est encore meilleur. Voilà. Aussi, j'ai aussi ici un tout petit peu de bleuet que je vais utiliser aussi. Mais ce n'est pas nécessaire. Vraiment, dans ce dessert, c'est vraiment le choix. C'est à votre guise, le mélange que vous voulez. Alors, ce que je fais, je prends mon yogourt. Ou si vous voulez mieux, je vais garnir mon fond. Savez, aujourd'hui, on n'a pas toujours le temps de faire des grosses recettes. Vous voyez, au fond de votre coupe, vous mettez donc le yogourt par-dessus, 2 cuillerées. Très simple comme dessert. Voilà. Si vous avez mis votre minuterie, vous verrez que ça prend moins d'une minute. Hein. C'est sûr que si vous avez des fruits frais, le temps de les couper, ça prend un peu plus de temps, mais ce sera encore meilleur. Et vous terminez avec ça. C'est miam, miam, miam. Une autre façon d'amener les enfants à manger des fruits. Les garnissez, hein. C'est simple. Simple comme bonjour, hein, comme on le dit. Si vous avez vos bleuets. Voilà, vous rajoutez par-dessus. On se verse partout, c'est pas grave. Voilà. Mélange de fruits au yogourt nature. Très bon. On passe à la dégustation. Très simple. Voilà. Comme ça. C'est magnifique. Magnifique, magnifique et simple. Alors, j'espère que vous allez reproduire cette petite recette, ce petit dessert à la maison. Vous allez gâter vos proches avec un dessert aussi simple et fabuleux. Merci, à la prochaine pour la petite capsule. Merci.